Je vais me maquiller avec vous rapidement. Je me suis fait un setup de luxe. Regardez la situation dans laquelle je suis. Qui dit mieux, je sais pas. Déjà bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis actuellement à l'île Maurice en vacances avec ma mère, ma petite sœur, le copain de ma mère et la famille de son copain. On est là 7 jours, donc là on a fait littéralement 20 heures de voyage porte à porte avec ma petite sœur. Je serais clairement bien restée 3 petits mois, clairement, on va pas se mentir, l'endroit est magnifique. Je suis déjà venue à l'île Maurice 2 fois dans ma vie. J'ai eu la chance avec mes parents de beaucoup voyager, j'en suis très 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 reconnaissante. Et je suis encore plus reconnaissante aujourd'hui de revenir ici, c'est paradisiaque, ça sent les vacances, il fait beau, il fait chaud. Malheureusement je ne pourrai pas retranscrire dans la vidéo ce que je vois en vrai parce que c'est quand même à couper le souffle. Je vais essayer de faire mon mieux pour vous faire voyager à travers ce vlog. Par contre je vois rien de ce que je fais. Là je suis toute blanche, va falloir remédier à tout ça rapidement. Je crois qu'il y a un indice UV genre 11 demain, donc le but va être de pas cramer plus qu'autre chose. Que vous dire de plus, mon pantalon c'est un billabong et mon haut je sais plus, c'est un crop top blanc. Là on a toujours pas mangé avec ma soeur depuis genre le petit déj de l'avion. J'ai réussi à dormir franchement peut-être 9 heures sur 11 heures de vol, donc c'est quand même génial. J'ai eu une vraie nuit qui a 3 heures en plus par rapport à la France, donc c'est pas très dérangeant et c'est pas comme le Canada où genre vraiment tu dois t'adapter au truc. Là ce soir on va aller prendre des verres et après on va dîner et pas grand chose d'autre. De toute façon là c'est plus des vacances chillax à max. Je sais pas exactement ce qui est prévu à part vraiment se reposer, en prendre plein la gueule et être reconnaissant d'être là, genre vraiment. Je crois que je m'en rends compte, mais j'ai l'impression que plus on grandit, plus on se rend compte de la chance qu'on a. Je suis déjà venue 3 fois ici, enfin du coup c'est la 3e fois que je viens ici. Quand j'étais venue, j'avais moins de 10 ans je crois, je m'en rappelle très bien. Mais quand on est gosse, on se rend pas compte de la chance qu'on a quoi, c'est ouf. Et là la petite Cléo de 22 ans, je regarde tout avec des grands yeux, je suis ébahie par la beauté de la nature. Genre rien que le trajet, on avait 1 heure de l'aéroport à l'hôtel, et rien que ça, mais... Incroyable, incroyable. On en parle des couleurs qui changent devant ma gueule là. Quand nous vous avons vu, nous avons senti qu'arrivait avec vous un certain sourire, une certaine chaleur, un certain soleil de plus. Camille, ça va être ma photographe attitrée de l'aspect. Si vous voyez les photos sur Instagram, la photographe est là. À la chambre pour aller chercher mon tel qui était en fait dans mon sac. On a trop faim avec ma soeur, du coup on va faire un room service. Je crois que c'est la première fois que je fais ça de ma life. 84, 85. Bonsoir, je vous appelle pour commander un petit plat, si c'est encore possible s'il vous plaît. Ça serait pour un club sandwich avec 2 couverts. Merci à vous. Au revoir à tous. On va se péter les vies. Ils sont bons en tout cas. Contente. Chaleur. J'ai regardé la météo, il y avait marqué Real Feel 32, je le croyais pas. Enfin quelle idée de se mettre en pantalon quoi. Heureusement que ça dure pas longtemps et qu'après on se met en maillot et qu'on bouge plus. La journée première activité mauricienne, nous allons faire du ski nautique sur cette magnifique baie. Voilà, c'est magnifique. On y va avec ma mère. Ma soeur va filmer parce qu'elle a la thalassophobie. On va juste l'utiliser. La première fois que j'ai fait du ski nautique, c'était ici. Enfin, c'était au nord de l'île, mais c'était au club enfant à l'île Maurice. Et là, on va en refaire. Je sais pas si j'en ai refait depuis. Du coup, ça doit faire bien 15 ans que j'en ai pas fait. Ça va être cool. J'espère que mes bras vont me servir. Puisque bon, moi j'espère qu'il y aura des chutes. Il y a un peu de muscles, mais voilà, endroit paradisiaque que demande le peuple.
aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, j'ai fait du ski nautique. On a aussi fait du pédalo, mais j'ai pas emmené ma caméra. J'ai pris quelques couleurs. Voilà, je me suis quand même bien protégée, vous inquiétez pas. Et là, on va aller faire quelques photos avec ma soeur. J'ai quand même pris 3 pellicules d'argentique. Là, j'ai la Kodak 200 Gold. J'en ai une deuxième et j'ai une Portra 400. Je pense que ça va rendre bien le gold effect de la Kodak avec ses couleurs magnifiques. Ensuite, on va se préparer dans pas si longtemps que ça pour pouvoir faire des photos cool aussi au coucher de soleil. Perhaps those who may be among us tonight for the first time may be wondering what is going to happen now. Alors on va à l'aventure pour trouver les nouveaux spots. Trop de couleurs, en fait on est vanifraise, on s'est préparé pour faire des photos, on est en timing parfait, il y a une chauve-souris énorme. Oh le truc, tu la vois? Oh, pas? Oh. On voit pas sur la caméra, c'est énorme le truc. Elle bouge, elle rentre. Oh, c'est trop bien. Tu veux aller faire des photos? Oui, on va faire des photos. Non mais wow. What is going to happen now? I can't see much in the future. On n'exploitait pas assez l'endroit, donc on va bouger. On bouge, là on est actuellement en train de marcher. On a 3 caméras, on fait vraiment influenceuse fois 1000. Mais c'est pas grave, c'est trop beau. Entre les gosses qui crient et les influenceuses qui prennent des photos, on fait moins chier. Je dis ça, je dis rien. Par contre là on commence à voir le vanifraise full. Les gars, juste 1, 2, 3, stop. Nous sommes mardi, il fait très chaud. On va pas se plaindre, c'est génial. On a bien crémé hier, donc j'ai la peau qui pique un peu, ça se voit, je suis rouge écarlate. Aujourd'hui, le plan c'est nager, bronzer. Et pas cramer. Alors on a de la 50, de la 30 pour le visage. Moi c'est le nez, à chaque fois je prends du nez. On a tous les deux pris à peu près au même endroit hier. Genre entre jambes, alors mes fesses, laissez tomber, je vous montre pas, mais c'est là où j'ai pris le plus. Les pieds, bon coup de soleil sur les pieds. What else? Les épaules. Et derrière les genoux. Voilà, des endroits auxquels on pense pas forcément. Bon bref, protégez-vous quoi, merde. Tous les sens du terme. Voilà, enfin, tous les sens du terme. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza. Je peux pas être plus reconnaissante. C'est incroyable. Par contre, je suis de la couleur du coucher de soleil. Ah.
Camille et moi, on a cramax encore une fois. Pourtant, encore une fois, on s'est archi protégés. J'ai les épaules en feu, je pense que ça se voit avec le bleu au-dessus de moi, je suis rouge écarlate. On se prépare pour aller, comme tous les soirs, manger au buffet, prendre un verre avant quand même. Je vais me maquiller un tout petit peu, contrairement aux autres soirs. Parce que là, déjà, je commence à avoir des belles couleurs en vrai. Et il fait tellement chaud que vaut mieux pas que je mette trop de trucs non plus. En vrai, l'été, je me maquille jamais, enfin très rarement. Et je sais pourquoi, c'est que déjà, ma confiance en moi, elle fait avec un tout petit peu de bronzage. Je vous assure que pendant les 8 mois de l'année où je suis blanc cul, il y a une grande différence de confiance en soi par rapport à l'été. On a fait encore plein de belles photos aujourd'hui. Demain, on fait sortie bateau. Je sais pas encore exactement où on va, je vous avoue, comme c'est tellement pas moi qui fais le programme que je suis plus qu'autre chose. Mais j'ai hâte. On a de la chance parce que lundi suivi, demain, c'est le plus bas de la semaine. Et quand on est sur un bateau, on sait tous qu'on crame. J'ai brûlé. Oh, t'es belle. J'aime beaucoup. Oh. Aujourd'hui, on est à jour 5. Comme vous pouvez le remarquer, la journée bateau a bien porté ses fruits. Je suis rouge écarlate. Aujourd'hui, il a plu, il a fait plutôt nuageux, mais toujours aussi chaud. Et je vous avoue que ça m'a plutôt arrangée par rapport à mes brûlures sur le corps. J'ai pas trop filmé aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose à montrer, on s'est vraiment reposé, on a profité de la plage et des paysages, parce que c'est toujours un truc de ouf, hein. Depuis le premier jour jusqu'au dernier, je serai ébahie par tous ces paysages et cette beauté qu'est notre planète. Je suis tous les jours un peu plus reconnaissante d'être vivante sur cette terre, voilà, c'est un truc de fou. Là, je me fais un maquillage assez léger parce que bon, j'ai quand même pris pas mal de couleurs, donc si je veux pas faire blanc et rouge, faut que j'arrive à équilibrer le tout parce que sinon c'est ridicule. On va encore profiter du coucher de soleil pour faire quelques photos avec ma soeur. Et après, as usual, on fera apéro et dîner à l'hôtel. L'hôtel est absolument magnifique, le golf est magnifique, la plage est magnifique, tout est magnifique. J'ai ma palette NYX avec moi que j'adore parce que elle est très colorée et j'adore mettre des couleurs sur le coin inférieur de l'œil pour donner une petite touche colorée quoi, une petite touche en plus. Là je pense que je vais mettre du bleu vu que je suis habillée en bleu. Ok, c'est clairement pas le plus beau maquillage que j'ai fait de ma vie, mais on fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire une peau rouge écarlate. Je vais mettre des petites boucles d'oreilles, un peu de parfum and I'll be ready.
J'ai changé d'endroit pour vous montrer ma tenue et pour vous montrer mes parfums, vous allez comprendre pourquoi. Je vous montre rapidement. Converse, Subdued et Pull&Bear. Quand je vous dis pas d'où viennent mes habits, c'est soit que je sais plus, soit que c'est de la fast fashion et que j'ai pas forcément envie de vous inciter à en acheter. Ça, je l'ai acheté il y a un petit moment. J'essaye de plus en plus de boycotter la fast fashion. Me tombez pas dessus si j'en porte. J'essaye de plus en plus de changer ma consommation. Je suis loin d'être la meilleure pour ça. Mais voilà, je reste consciente des choses. Quand on voit le paradis dans lequel je suis actuellement, on a envie de faire attention à sa planète. Donc voilà. Voilà ma tenue. Je pense que ma chemise, je vais la mettre. Je vais faire un petit nœud. Je sais pas encore. Je sais pas, il y a un truc à faire là, mais ça va pas du tout. Non, mais ce cadre. Waouh! Incroyable. Cette portion de cette vidéo est en partenaire avec Le Bon Parfumeur. Je suis très contente de collaborer avec eux parce que leur valeur, leur identité et leur concept est très très cool. Bon Parfumeur, c'est quoi? Ce sont des parfums 100% made in France, non genrés et vegan. C'est une marque qui a pour objectif de se parfumer tout en respectant la nature. Ils ont eu la gentillesse de m'offrir des parfums, donc j'en ai 4 avec moi que je vais vous présenter tout de suite. Et j'ai aussi 2 bougies à la maison, ils font aussi des bougies. Les parfums, ils ont énormément de senteurs qui se regroupent en plusieurs thèmes et ils ont plusieurs formats. Je vais d'abord vous présenter les 3 moyens formats et ensuite le grand qui est forcément mon préféré. Il faut savoir que je suis allée en boutique les essayer pour vous parler de parfums que j'aime réellement. Le premier que j'ai, c'est le 003 qui est au yuzu, aux feuilles de violette et au vétiver. Alors on va savoir ce que c'est en vrai, mais je vais essayer de vous le décrire comme je peux. Ah, ils sentent tellement bon. Franchement, j'ai fait des trop bons choix, je trouve. Je suis très contente de mes choix. Moi, j'aime bien les odeurs fraîches, un peu fleuries. J'aime pas quand c'est trop lourd, trop sucré. Faut savoir que mon parfum de tous les jours, c'est un parfum qui est unisexe. Donc quand on m'a expliqué le concept de la marque, j'ai trouvé ça génial parce que moi, ça fait des années que je porte un parfum unisexe. Ensuite, le deuxième, c'est le 102 qui est au thé, à la cardamome et au mimosa. Donc qui est un peu plus fleuri. Lui, il est encore plus frais que l'autre. C'est un parfum un peu printanier, je dirais. Et le troisième moyen format que j'ai, c'est le 201 à la pomme verte, muguet et au coing. Donc, qui est un peu plus fruité. Ah, il sent bon! Il sent super bon. Lui, il est un peu plus sucré, forcément, puisqu'il est un peu plus fruité. Je me verrais plus le mettre en hiver. Et le dernier que j'ai, qui est en grand format, c'est le 802, qui est à la pivoine, au lotus et au bambou. Celui-là, je l'ai porté toute la semaine et j'ai eu que des compliments dessus. Donc, très heureuse. Par contre, je pense que ce soir, je vais mettre le 003. Toujours un peu sur les poignets. On met le reste ici. Épaule gauche, épaule droite. Et après, ce que je fais, c'est que j'en mets un peu dans les cheveux. Ah! Je me sens fraîche. Si vous avez envie d'essayer les parfums, je vous laisse un code promo de moins 10% avec ce code-ci. Je vous mettrai en barre d'informations toutes les informations jusqu'à quand il est valable. Je vous remettrai le code aussi. Merci encore au Bon Parfumeur d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Et je vous laisse avec la fin du vlog. Moi, je vais aller profiter du coucher du soleil. Que j'ai genre comme ça avec toi derrière et ton appareil photo. On va essayer de tester un spot qu'on avait repéré dans les premiers jours sur lequel ça avait pas été très fructueux. D'un coup. C'est pas moi qui vais le faire, donc c'est soit toi. Ah, il a bougé, mais il a pas voulu bouger. Attends, lui, il va être trop stressé aussi. Il veut pas partir s'il est stressé. Oui, bonsoir madame. Je suis désolée de vous déranger pour ce genre de choses, mais on a un cas à faire dans la chambre qu'on n'arrive pas à faire partir. Ok, génial, merci. Merci, bonne soirée. On va venir me sauver. Tu le vois? Hein? Tu le vois encore? Oui, oui, je le vois. Parce qu'il faut le garder quand même. C'est vrai qu'il faut le garder en. Parce que c'est... Oh là 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 là. Bonsoir monsieur.
Oh là là, mais trop chaud. Ah là là, merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée. Le mec, il a fait ça en 2-2, quoi. Il a fait... Hop là. Bonjour, c'est vendredi. Dernier jour plein. Trop triste. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro, tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, sou um menino de mentalidade mediana. Pois é. Mas assim mesmo feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém. Pois é. Pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo. Moro no país tropical. It's that time of the day again. Ça y est, c'est le dernier soir. Je me rends pas compte encore, mais on part demain soir. On doit rendre les chambres demain à midi, donc on va faire les valises ce soir. Aujourd'hui, il a encore plu, mais pour autant, on a encore cramé avec ma sœur. Ma sœur a pris très très cher, elle est actuellement dans la douche. Moi, je me prépare rapidement. On est sorti un peu en vitesse pendant qu'il y avait encore un peu de lumière pour faire quelques photos, as usual. Voilà, je crois que les photos ont rendu pas mal, bien que j'avais les cheveux mouillés et pas de maquillage, mais statement piece, aka la robe, était le plus important. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait à part glander? On devait faire un tour de ski nautique cet après-midi, genre vers 17h, et au final il y a eu une grosse pluie. On a annulé, à tout moment on en fait demain matin, mais je suis pas totalement sûre. Ouh, tu veux montrer juste la marque d'en haut là, comme ça? En vrai, regardez-moi déjà. On est sur du vrai cramage, mais alors là... Oh, ok, here is the finished product. Avec la lumière. J'ai mis du blush orange aussi pour me redonner un peu de couleur. Et puis, il faut que je choisisse mon parfum et mes chaussures. Soit comme ça. Bon allez, on part sur le safe choice. Le retour à Paris va être bien sympa. Je crois que genre lundi, mardi, il fait minimum moins 1. On va perdre 30 degrés littéralement. Et on est parti, let's go! Ça y est, on fait les valises. Tellement pas envie de partir, il fait 30 degrés, on va revenir à Paris, il va faire 2 degrés. Je suis pas prête. Je suis pas prête du tout. En tout cas, c'était des vacances de fou. Ça faisait longtemps que j'étais pas partie dans un pays tropical comme ça et franchement, c'est le luxe, le rêve, tout ce que vous voulez, j'ai beaucoup de chance. Bon, je pense que je vais très rapidement continuer ce vlog aujourd'hui puis à l'aéroport. En tout cas, si vous avez regardé jusqu'ici, je vous en remercie, j'espère que le vlog vous a plu. Merci aussi au Bon Parfumeur d'avoir collaboré avec moi pour une portion de cette vidéo. J'aime très sincèrement leurs produits et leurs valeurs, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, vous avez toujours moins 10% avec ce code. D'ici là, prenez soin de vous, abonnez-vous et je vous fais plein de bisous. Bye! Oh,